Roman et libertinage, Crébillon. Pourquoi qualifie-t-on parfois le XVIIIe siècle de siècle libertin? Pour le dire rapidement, la Régence a mis fin à l'austérité des mœurs qui a marqué la fin du règne de Louis XIV. Il règne à présent comme un air de liberté. Patrick Val de Lazowski, dans le tome de la Pléiade qu'il consacre aux romanciers libertins du XVIIIe siècle, parle d'un mythe d'origine qui fonde le siècle libertin. Pensez par exemple aux tableaux de Watteau, de Boucher, de Fragonard, dans lesquels l'amour et les plaisirs des sens occupent une place centrale. Ici, nous aborderons la question du XVIIIe siècle comme siècle de la littérature libertine, ce qui ne signifie en aucun cas que cette littérature n'existait pas avant et après. On ne peut pas trancher là-dessus avant d'avoir dit ce que l'on entendait par libertin. L'amour occupait déjà une place centrale dans le roman avant le XVIIIe siècle. Par exemple, dans le roman pastoral, le roman héroïque, mais aussi à la fin du siècle dans un roman comme La Princesse de Clèves, et enfin dans les histoires ou romans comiques qui accordaient davantage de place au corps, aux réalités physiques de l'amour. Cette place de l'amour est confirmée au XVIIIe siècle, puisque le roman devient le lieu de l'analyse du cœur, de l'intime, du fort intérieur. Il ne peut donc pas ne pas s'intéresser de manière privilégiée à la naissance du sentiment amoureux au plus intime de l'individu et comme ce qu'il révèle à lui-même ou lui apprend qu'il se méconnaît. Je vous renvoie ici à la vidéo consacrée à Marivaux et à la place centrale qu'occupe la surprise de l'amour dans son œuvre. Souvent, l'amour est saisi sous l'angle d'un apprentissage, puisqu'on raconte l'histoire d'un jeune individu qui entre dans le monde et que l'amour fait partie de sa formation. Mais l'amour se décline de différentes manières. Avec le libertinage, ce qu'on va placer au centre, ce sont les sens, le corps, le jeu de la séduction. Cette question de l'amour physique, de la sympathie des corps, suscite un intérêt renouvelé dans la littérature du XVIIIe siècle. Je vous renvoie par exemple à un roman qui n'est pas un roman libertin, La Nouvelle Héloïse de Rousseau, roman dans lequel l'amour est consommé entre les deux jeunes amants sans que ce désir physique et sa consommation ne soient condamnés. En bref, quand on dit libertinage, roman libertin, on place toujours l'amour au centre, mais on va mettre l'accent sur sa dimension physique, érotique, licencieuse, sur l'amour comme désir physique essentiellement, dont l'objet sera plus ou moins interchangeable. La devise du libertin pourrait être la suivante: on se plaît, on se prend, s'ennuie-t-on l'un avec l'autre, on se quitte. Cette phrase est prononcée par le personnage de Clitandre dans La Nuit et le Moment de Crébillon. Mais attention, le roman libertin n'est pas un simple roman érotique qui raconte des frasques sexuelles dans un langage explicite. Et la littérature n'a pas attendu le XVIIIe siècle pour des récits explicites dans un langage gaillard. Qu'entend-on donc par libertin et par roman libertin au XVIIIe siècle? C'est ce que nous allons continuer d'explorer dès maintenant. Au XVIIe siècle, en gros, le libertin est un libre penseur et en général désigné comme impie athée. C'est quelqu'un qui s'oppose à toute forme d'autorité et donc d'abord à l'autorité religieuse. Par exemple, le poète Théophile de Viau a été accusé de libertinage. Comme personnage de fiction, pensez à Don Juan, qui certes est un séducteur invétéré et inconstant, mais qui est également athée. Les libertins donc échappent à l'enseignement de l'Église. Les protestants, entre autres, ont pu être qualifiés de libertins par les catholiques, mais surtout ceux que l'on a appelés les athéistes, les beaux esprits ou les esprits forts, toute expression pour désigner les libertins. Et ce n'est que par conséquent que ces libertins qui refusent toute forme d'autorité mènent une vie déréglée ou ce qu'on appelle un libertinage de mœurs. En somme, le libertinage consiste à penser par soi-même et à penser dangereusement par soi-même, à édicter les règles de sa propre conduite. Le libertinage, comme l'écrit Lazowski, est un défi à l'autorité. Au XVIIIe siècle, ce sens demeure, mais la définition du terme incline davantage vers le fait de mettre au centre la poursuite du plaisir des sens et en gros la débauche. D'après Lazowski, on passe de l'impie au débauché, en gros, même si, je cite, la recherche du plaisir est encore un geste d'outrage et de provocation à l'encontre du ciel. Dans le dictionnaire de l'Académie française de 1762,
Le libertinage est défini comme débauche et mauvaise conduite. Dans l'encyclopédie, Diderot le définit ainsi : c'est l'habitude de céder à l'instinct qui nous porte au plaisir des sens. On voit qu'il y a toujours dans le libertinage l'idée de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Et aussi, en un sens plus directement philosophique, si l'on veut, le libertinage est donc lié à l'exercice individuel de la raison critique, d'où un lien privilégié avec les idées qui vont gagner le siècle qu'on a appelé par la suite siècle des Lumières. On va donc voir maintenant comment cette notion de libertinage est appliquée en amour par les libertins dans la littérature du XVIIIe siècle. Dans le roman libertin, le goût remplace l'amour. Le libertin se présente d'abord comme un être de plaisir, même si nous allons voir que c'est plus complexe que ça en a l'air et qu'il ne s'agit pas pour lui de céder à des pulsions. Ce plaisir, surtout, questionne tout ensemble la morale, les sciences, les questions sociales et politiques, au point que la figure du libertin a pu se confondre avec celle du philosophe. Point central, dans le roman libertin, le lecteur adopte le point de vue du libertin lui-même. Dans la vie de Marianne de Marivaux, il arrive que Marianne croise la route d'un vieux libertin, mais ce n'est pas lui qui prend en charge le récit. Dans Manon Lescaut de Prévost, c'est plus ambigu, car Desgrieux, le personnage mémorialiste, ne se dit pas lui-même libertin. C'est son ami Thiberge qui l'accuse de libertinage. Mais Desgrieux vit bel et bien en libertin. Dans Les Liaisons dangereuses, c'est très clair. Une grande partie des lettres sont écrites par Valmont et Merteuil, qui s'assument comme étant deux libertins. Autre point, le roman libertin est roman de formation, d'apprentissage, même si l'école y est en somme une école du vice. L'horizon en est a priori l'émancipation du personnage initié, notamment l'émancipation hors de la morale commune. Le dénouement peut toutefois en être un désastre généralisé, comme dans Les Liaisons dangereuses. Souvent, le libertin se pose donc en maître d'un élève, en maître de libertinage, formateur au vice. C'est par exemple le cas de Valmont vis-à-vis de Cécile de Volanges dans Les Liaisons dangereuses. Exemple singulier, celui de l'histoire d'une Grecque moderne, puisque l'ambassadeur devient non pas le maître en libertinage de Théophée, la jeune femme qu'il désire, mais bien malgré lui, son maître de vertu, situation proprement intenable. Si le libertin peut se faire l'initiateur d'un élève, c'est parce qu'il élabore des théories sur son libertinage, il raisonne là-dessus, il en fait une doctrine. Autre point important, le langage du roman libertin n'est pas un langage grossier ou trop explicite, c'est au contraire un langage allusif et voilé. Le plaisir du roman libertin est avant tout plaisir intellectuel, non moins que plaisir des sens, s'il s'agit de les séparer. Et de fait, dans le roman libertin, la consommation de l'acte physique est bien moins importante au fond que l'entreprise de séduction de sa proie par le libertin. Cette séduction recouvre une volonté de domination de la part du libertin. Son plaisir principal est celui de la conquête, la recherche de sa propre gloire, une recherche de pouvoir qui a lieu sous les yeux des autres, qui doit être validée par le reste de la société. Le libertin agit dans le monde. Lazowski écrit « Le mot libertin brille de cet esprit de conquête qu'habite la vanité, l'amour-propre, l'amour des possessions. » Il s'agit encore, selon lui, de « se rendre maître de l'autre et l'avilir, ne jamais s'abandonner ». Fin de la citation. Chez Crébillon, par exemple, la passion du libertin est bien de dominer. Le libertin, à ce titre, n'est pas quelqu'un qui cède facilement au plaisir, ni qui estime ceux qui cèdent facilement au plaisir, bien au contraire. Il s'agit pour lui de trouver un adversaire à sa taille. Et pour que le triomphe soit total, il faut que l'autre abdique sur sa propre liberté. Il faut que l'autre en vienne, en fait, à l'aimer, à le désirer. Il s'agit de posséder une autre liberté. Le libertin n'est donc pas soumis à ses pulsions physiques, pas plus qu'aux sentiments amoureux. Une seule exigence, écrit Lazowski, être à la hauteur de sa réputation. Après quoi, le libertin peut passer à une autre proie. Son inconstance est essentielle, puisqu'il s'agit de ne pas tomber amoureux, de demeurer libre, maître de soi et de son cœur. En conclusion, on a vu l'intérêt du roman du XVIIIe siècle pour la sympathie entre les cœurs et les corps.
pour l'amour comme surprise pour l'individu, révélateur d'une vérité sur soi et sur les autres. Chez Marivaux, la séduction comprend bien une part de jeu, entre des personnages qui sont même déjà joués par des comédiens et qui se jouent les uns des autres. Mais ce jeu a pour horizon le dévoilement de la vérité des cœurs. Or, ce jeu de la séduction, on le retrouve chez les libertins, dans le roman libertin, mais ici, les signes sont vides et ou faux. Les promesses n'engagent à rien. Les déclarations visent un but qui n'est pas l'amour. Il y a là une manipulation, une prise de pouvoir. Parenthèse, ce pouvoir étant rarement du côté des femmes, il est rare que l'énonciation du roman libertin soit prise en charge par des femmes. Immense exception, Madame de Merteuil, dans Les Liaisons dangereuses. Enfin, on retrouve avec le roman libertin deux formes privilégiées que nous avons déjà abordées chez Marivaux et Prévost. D'abord, le roman. Comme genre, le roman se caractérise depuis sa naissance comme un genre dont les règles ne sont pas fixes, dont la poétique est sans cesse à faire et à refaire. En somme, par sa liberté, son affranchissement des règles. On pourrait donc en parler comme d'un genre libertin par nature. Cette absence de règles lui vaut nombre de critiques, sans jamais faire décroître son nombre de lecteurs, et bien au contraire. Dernier point, on a dit que le roman libertin était un roman de formation. Par conséquent, il privilégie l'emploi de la première personne et des formes telles que le roman mémoire et le roman épistolaire. Il s'agit, avec ces formes, de sonder l'intériorité et de restreindre le point de vue. Ces romans libertins sont enfin régulièrement condamnés, imprimés à l'étranger et n'en sont que plus recherchés. Claude Prosper, Joliot de Crébillon, dit Crébillon fils. Pourquoi Crébillon fils? Parce que son père était au XVIIIe siècle un poète tragique très illustre. La notoriété du père a même quelque peu éclipsé celle de son fils. On considérait le père comme un génie et son fils comme l'auteur d'œuvres agréables et frivoles. Jansgar, dans son livre Crébillon fils, compare pourtant l'allégresse de style de Crébillon à celle de Le Sage, de Voltaire, de Marivaux. Ses œuvres traitent du plaisir, de l'amour et du désir, mais Jansgar nous avertit. L'étiquette de libertin est d'après lui trop réductrice pour qualifier son œuvre, tant la palette de personnages de Crébillon est vaste et son ambition réelle d'après Sgarr est de comprendre le mal, de penser le libertinage lui-même. En somme, il ne faut pas oublier le moraliste chez l'immoraliste, comme le souligne le sous-titre du livre de Jean Sgarr, le libertin moraliste. Enfin, Jean Sgarr présente Crébillon fils comme un écrivain avant tout et qui comme tel a rencontré toutes les difficultés qu'il y a à vivre de sa plume. Je cite, « La vie de Crébillon fils nous éclaire sur la condition de l'homme de lettres sous l'Ancien Régime. » Crébillon fils, que nous appellerons désormais Crébillon, a été d'une grande discrétion sur sa vie, de même que ses contemporains. Il naît en février 1707 à Paris. Il entre à l'internat du collège Louis-le-Grand, tenu par les jésuites, où il reçoit une éducation classique des plus complètes et rigoureuses. Il se fait ici remarquer pour son excellence, et on lui aurait proposé d'entrer dans la compagnie des jésuites. Mais il refuse. Au sortir du collège, Crébillon fréquente les théâtres et les gens de théâtre. Il se lie notamment avec le fils du directeur et des acteurs de la comédie italienne, et se livre avec eux à nombre d'écrits parodiques. Durant cette période, Crébillon travaille au Sylph, un conte qui sera publié anonymement en 1730 et dont le titre complet est « Le Sylph ou songe de Madame de R, écrit par elle-même à Madame de S ». Crébillon se met à fréquenter les salons littéraires. Et il se réunit notamment avec ses amis dans un cabaret nommé Au Caveau, Faubourg Saint-Germain. Les premiers dîners du Caveau ont lieu en 1733. On y trouve des gens de lettres, dont Duclos, et des artistes dont Boucher et Rameau, tous membres fondateurs de ce qu'on a appelé le caveau. Crébillon père y passe également. C'est une société, une petite société, pour laquelle des statuts parodiques sont rédigés, une forme de règlement, et dont les femmes sont exclues, afin que les conversations soient plus libres. Le caveau attire bientôt trop de monde, trop de fâcheux comme on dit, et disparaît donc victime de son succès. En 1734, paraissent les lettres de la marquise de M au comte de R.
Dès les années 1730, en fait, la renommée de Crébillon est grandissante, notamment suite à Tanzai et Néa Darnay, Histoire japonaise, paru en 1734. C'est un livre qui connaît, comme l'écrit Lazowski, un succès de scandale. Crébillon est enfermé quelques jours à la prison de Vincennes. Voltaire, entre autres, se prononce en faveur de ce livre qui s'en prend à toutes les formes d'autorité et dresse un tableau satirique des mœurs de la cour. En 1736, c'est la parution des deux premières parties des Égarements du cœur et de l'esprit. Nous y reviendrons à la fin de cette présentation. La troisième partie en paraît en 1738. Plus discret que son œuvre ne pourrait le suggérer, Crébillon continue toutefois de fréquenter les salons, tels que ceux de Madame de Tencin ou de Madame Geoffrin. En 1742, il publie Le Sofa, conte moral. Cette dernière œuvre vaut un ordre d'exil à Crébillon, mais il n'est exilé qu'à 30 lieues de Paris, sans doute près de Rouen. Il revient au bout de 3 mois. Globalement, toute la vie de Crébillon s'est passée autour de Paris ou à Paris. En 1745, il donne une lecture publique de La nuit et le moment, ou Les matines de Cythère, dialogue. Et il publie Atalzaïde, ouvrage allégorique. En 1746, Les amours de Zéokinizoul, roi des Cophirans. On ignore à peu près sa vie amoureuse. Mais en 1748, de façon assez surprenante, il épouse une Anglaise, Marie-Henriette de Stafford. C'est un mariage singulier aux yeux des contemporains. Crébillon est auteur d'ouvrages libertins. Marie-Henriette de Stafford est fille du secrétaire et grand chambellan de Marie d'Este, reine d'Angleterre, et elle est, d'après témoignage, je cite, d'une laideur choquante. En 1749, Crébillon devient le directeur de La Bigarrure, journal éphémère publié à La Haye. Il y rend hommage, entre guillemets, à ses maîtres jésuites qui ont, je cite, le grand art de lever tous les scrupules et de faire disparaître tous les péchés. En somme, il compare ici les jésuites à des libertins. En 1750, le couple déménage à Sens, où la vie est meilleur marché qu'à Paris. Façon de souligner ici les difficultés économiques que rencontre Crébillon tout au long de sa carrière d'homme de lettres. En 1754, paraissent Les heureux orphelins, histoire imitée de l'anglais, et les 7 premières parties de À quel compte, compte politique et astronomique. En 1755, paraît La nuit et le moment ou Les matines de Cythère, dialogue. Autre point qui a souvent suscité l'étonnement à propos de la vie de Crébillon fils, en 1758, il devient censeur royal des belles-lettres, charge où il succède à son père. Les censeurs royaux doivent accorder ou refuser l'approbation qui autorise l'impression des ouvrages. On peut refuser l'approbation, par exemple, pour offense aux bonnes mœurs. En général, les ouvrages qui ne reçoivent pas l'approbation se font imprimer à l'étranger, par exemple en Hollande. Un auteur d'ouvrages libertins est donc nommé comme censeur royal. En 1763, paraît Le hasard du coin du feu, dialogue moral. Les 20 dernières années de la vie de Crébillon se passeront dans une grande discrétion. Il secondera des auteurs, donnera son avis sur leurs ouvrages et approuvera un grand nombre d'œuvres. En 1766, il est nommé membre non résident de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 1768, parution des lettres de la duchesse II au duc II. 1771, des lettres athéniennes extraites du portefeuille d'Alcibiade. En 1772, paraît à Londres la première édition de ses œuvres complètes. J'en lis l'avis de l'éditeur. Je cite. Il a peint les mœurs de son siècle, les vices, les défauts, jusqu'au ridicule si difficile à saisir de ses contemporains. Et le temps qui voit changer les mœurs respectera toujours les ouvrages dans lesquels l'ancienne maxime de penser et d'agir est fidèlement exprimée. En 1776, Crébillon est nommé au poste de censeur de la police en charge du théâtre. Il meurt l'année suivante. Blablabla. Concluons par quelques mots à propos de 3 œuvres de Crébillon. Le Sofa, Les égarements du cœur et de l'esprit, et La nuit et le moment. Pour Le Sofa, Crébillon choisit la forme du conte oriental. Un certain Orient, ou plutôt un certain orientalisme, rencontre effectivement un grand succès au XVIIIe siècle, suite à la traduction des Mille et une nuits donnée par Galland. Chez Crébillon, c'est un Orient accordé au plaisir, associé au plaisir des sens, entre autres.
un Orient voluptueux qu'il a déjà mis en scène dans Tanzai et Né à Darné. Dans le sofa, le narrateur, le courtisan Amanzeï, a été condamné par Brahma à avoir son âme enfermée dans un sofa. Il ne reprendra forme humaine que lorsque deux personnes échangeront sur lui, je cite, leurs prémices. Une fois redevenu un homme, ce narrateur raconte au sultan ce qu'il a vu et entendu quand il était sofa. Ce sont en somme de petites scènes de la vie galante où l'on voit sept couples qui défilent sur ce fameux sofa. L'invisibilité du narrateur est un incroyable révélateur de la vérité sous le paraître et l'hypocrisie, mais aussi, on le verra, un révélateur de l'amour vrai. Je cite le courtisan Amanzeï s'adressant au sultan. Brahma permet quelquefois que nous nous souvenions de ce que nous avons été, surtout quand il nous a infligé quelques peines singulières. Et ce qui le prouve, c'est que je me souviens parfaitement d'avoir été sofa. Autre citation. Oui, sire, répondit Amanzeï. Le premier sofa dans lequel mon âme entra était couleur de rose, brodé d'argent. Et enfin, c'était pour punir mon âme de ses dérèglements. Précisons pour finir que derrière cet Orient imaginaire, on peut plus ou moins deviner la cour de Louis XV. Les égarements du cœur et de l'esprit. Citation de la préface. Ce livre n'étant que l'histoire de la vie privée, des travers et des retours d'un homme de condition, on verra dans ses mémoires un homme tel qu'ils sont presque tous dans une extrême jeunesse, simple d'abord et sans art, et ne connaissant pas encore le monde où il est obligé de vivre. La première et la seconde partie roulent sur cette ignorance et sur ses premières amours. C'est dans les suivantes un homme plein de fausses idées et pétri de ridicule, et qui est moins entraîné encore par lui-même que par des personnes intéressées à lui corrompre le cœur et l'esprit. On le verra enfin dans les dernières, rendu à lui-même de voir toutes ses vertus à une femme estimable. Fin de la citation. On reconnaît là la forme du roman mémoire et celle du roman de formation, mais d'une formation d'abord au vice et à la fin à la vertu, sauf qu'il s'agit là d'un roman inachevé. Dans ce roman, le jeune Melcourt aura bien des professeurs, entre guillemets. Par exemple, la marquise de Lurçay, amie de sa mère, amante avec plus d'expérience que lui. Puis Versac, qui initie le jeune homme aux usages du monde dans lequel, d'après lui, je cite, tout est mode et affectation. Il initie aux mœurs libertines. J'aimerais citer ici une description de ce personnage de Versac. Je cite. Il joignait à la plus haute naissance l'esprit le plus agréable et la figure la plus séduisante. Adoré de toutes les femmes qu'il trompait et déchirait sans cesse, vain, impérieux, étourdi, le plus audacieux petit maître qu'on eût jamais vu, et plus cher peut-être à leurs yeux par ses mêmes défauts, quelque contraire qu'il leur soit. Fin de la citation. Autre extrait de cette description. Et il était depuis 10 ans en possession de vaincre les plus insensibles, de fixer les plus coquettes et de déplacer les amants les plus accrédités. Ou s'il lui était arrivé de ne pas réussir, il avait toujours su tourner les choses si bien à son avantage que la dame n'en passait pas moins pour lui avoir appartenu. Fin de la citation. On voit là un personnage qui ressemble fort à ce que sera Valmont. Enfin, la nuit est le moment où les matines de Cythère. Il s'agit d'un dialogue, un peu entre récit et théâtre. Le lieu en est à la campagne, plus précisément dans la maison de Cydalise, le personnage féminin. Un soir, Clitandre entre dans la chambre de Cydalise et s'étonne de la surprise que celle-ci manifeste. Ainsi commence le dialogue entre les deux personnages autour du seul meuble évoqué, le lit. Le récit mêle, le dialogue plutôt, plaisir de l'amour et de la conversation. J'espère vous avoir donné vue par ce très bref, vous avoir donné envie par ce très bref aperçu d'aller lire par vous-même ces œuvres de Crébillon.